écoute les prières à la mémoire de nos compatriotes civils et militaires, victimes innocentes des lâches attaques perpétrées par des individus sans foi ni loi. Je vous prie, nos fidèles et vaillants militants qui ont répondu à l'appel du Tout-Puissant dans certains, feu camarade commando et feu à l'exilio métraré, paix à leur âme. C'est pourquoi, chers militants, chaque fois que le devoir vous impose de vous déplacer souvent sur des longues distances pour répondre à l'appel de notre parti, c'est même devoir interpelle ma conscience au plus haut degré, aussi longtemps que vous ne rentrez pas sains et saufs dans vos foyers respectifs. Mesdames et messieurs, nous avons placé le congrès de notre parti sous la thématique éducation et ancrage territorial du parti CPR Ngaïssi. L'éducation et l'ancrage de notre parti, plus qu'une vision prospective et inspiratoire, conçue à nos yeux une phase et une exigence présente que nous impose notre quête commune d'implanter notre parti sur toute l'étendue du territoire national. Cette œuvre grandiose ne saurait se réaliser sans discipline et un leadership marqué. Je demande à cet effet de faire, dans la constatation et la solidarité de ces valeurs, la boussole qui doit guider nos pas. C'est à travers cela seulement que nous pouvons donner à notre cher parti la dimension nationale qu'il mérite au regard des ambitions qu'il nourrit pour le Niger et son peuple. C'est donc un devoir pour nous de mener une véritable réflexion autour de cette thématique afin d'explorer toutes les pistes susceptibles de nous conduire à cet idéal qui va nous permettre de bâtir le CPR dans le réalisme, dans la dignité et l'honneur, au grand bonheur de tous les Nigériens. Camarades congressistes, ces assises seront aussi l'occasion de refonder les anciens de notre parti, d'actualiser nos statuts et règlements intérieurs et d'entériner les élections par les structures respectives de la présidente nationale des femmes et la liste du président national des jeunes et la liste des membres du secrétariat international, des hommes et des femmes engagés, capables de propulser notre parti de l'avant. Camarades militants, permettez-moi de saluer le travail abattu pour le renforcement du parti à travers le renouvellement de toutes les conventions régionales et de féliciter les nouvelles adhésions massives que nous avions enregistrées au cours de l'année 2018. À ces militants qui ont cru aux idéaux et aux valeurs du CPR et qui nous ont rejoints, je vous remercie.